Rav Michael Benadbon, bonjour, Boker Tov. Boker Tov. Alors, nous vous avons sollicité ce matin pour réagir à un article qui était vendredi, en manchette du Makor Rishon et qui faisait état d'une volonté de la Cour suprême, on va dire, de s'immiscer dans les affaires de l'association native. L'association native, vous allez nous l'expliquer de manière plus détaillée, qui s'occupe du processus de conversion des soldats israéliens qui sont dans l'armée et qui ne sont pas juifs alpi à Halakha, selon la Halakha. La Cour suprême semble vouloir reprocher à Native de vouloir intégrer, on va dire, automatiquement tous les soldats qui ne sont pas juifs selon la Halakha et de leur vouloir leur imposer une sorte de processus de conversion, même s'ils ne le souhaitent pas obligatoirement. Est-ce que j'ai bien présenté les choses ? Partiellement, en fait, parce que concrètement, en fait, Native propose en effet aux soldats qui ne sont pas juifs, mais qui sont quand même descendants donc, de juifs, donc dans la catégorie de Zera Israël, donc qui avaient le droit au retour. Donc Native, en fait, leur propose de venir à une conférence, un jour d'études, pour leur présenter c'est quoi être juif, c'est quoi les valeurs fondamentales de l'identité juive, mais en aucun cas ne les force à se convertir. Ça, il faut bien expliquer aux auditeurs qu'on n'est pas dans une situation où on prend quelqu'un qui ne le souhaite pas et puis on le convertit malgré lui. Mmh. Donc c'est en fait uniquement, on va dire, une formalité que Tsahal met en place pour solliciter les soldats qui le souhaitent à faire plus d'efforts pour la conversion. C'est bien le soldat qui le souhaite, c'est-à-dire il faut que le soldat fasse la démarche d'aller à Native. Non, alors justement, le débat en fait s'est créé autour du fait que le soldat, le premier jour où il va donc pour s'enrôler, eh bien, il doit donc dire s'il est juif ou pas. Et dès lors qu'il déclare qu'il n'est pas juif, eh bien, automatiquement, il est invité à participer à une journée d'études organisée par Native. Et c'est sur ce point-là, en fait, que la Cour suprême, en fait, qui a été donc, évidemment sollicitée par des organisations des droits des citoyens, vient et dit c'est là une forme de coercition religieuse, il ne faut pas permettre ça. Si le soldat a dit déjà qu'il ne veut pas devenir juif, alors il faut arrêter de l'embêter. Alors, et au moment de l'enrôlement, il n'y a pas une question qui est posée au soldat en lui demandant est-ce que tu veux rentrer dans le processus de Native ou non ? Alors, si, on lui pose la question, et ensuite, à la suite de ça, il est invité automatiquement à participer à une. Même s'il a dit je ne suis pas intéressé à suivre un processus. Voilà, exactement. Ah. Maintenant, il faut bien savoir, comme l'a écrit justement Yehuda Yisrach dans Makor Rishon de Shabbat, un soldat qui souhaite rentrer dans une unité d'élite ou qui souhaite être aviateur, bon ben alors on va l'inviter à venir voir de quoi on parle, mais personne en aucun cas ne lui promet qu'il va devenir absolument aviateur, ni commando, ni qu'il va finir le processus. Moi je crois qu'il y a là en fait simplement une volonté de la part de l'armée d'aider ces personnes-là qui sont intégrées donc à la société israélienne, qui parlent hébreu, qui vont se marier en Israël, qui vont vivre en Israël. Et puis il faut le dire quoi, être non-juif en Israël quand on est totalement israélien, c'est pas facile. Alors, c'est pour les aider, d'autant plus que le processus de conversion présenté par Native, c'est ça. C'est un processus allégé. C'est pas un alors, c'est ça, long. Parce que c'est intéressant de saisir, se profiter de cette occasion pour parler de ce que fait Native. Donnez-nous un peu un aperçu de ce que représente un processus de conversion dans l'association, dans le cadre de l'association Native, dans le cadre de l'armée israélienne. Non, je ne suis pas spécialiste, mais en gros, il y a, je crois, deux séminaires. Il y a en fait une première. La personne vient donc à une première journée ouverte, on va dire. Et ensuite, il veut continuer. Alors, il va participer à deux séminaires. Il va ensuite partir dans une famille qui fait le Shabbat pour comprendre c'est quoi le Shabbat. Mais il faut bien comprendre que Native lui-même est très controversé au sein de la société israélienne et du monde rabbinique parce que c'est une conversion en fait qui est faite très rapidement dans le cadre de l'armée. C'est une conversion qui, on va dire, pour certains, est une sorte de blanchissement de religion parce que. Comment éduquer un soldat qui n'a pas été en fait habitué à la loi juive, à pratiquer la halakha, en quelques mois, qu'il va être juif et qu'il va donc se soumettre au commandement. Et tout le monde est bien d'accord, même les tribunaux rabbiniques et même les soldats, que lorsque celui-ci est debout devant le tribunal rabbinique et dit « je vais accepter les mitzvot », tout le monde a bien conscience que c'est une déclaration et pas plus, parce qu'on ne peut pas espérer énormément en fait, hein, le soldat ne sait pas beaucoup.
Donc, je crois que c'est vraiment Nassif qui a en fait solutionné un problème, je crois, de société. Oui, c'est plutôt un problème de société, parce que l'on considère, disons-nous, il y a effectivement une problématique parmi les nombreuses problématiques au sein de la société israélienne, qui consiste à dire ce soldat-là est prêt à sacrifier, aller jusqu'au sacrifice suprême de sa vie pour défendre l'État d'Israël. Comment ne pourrait-on pas alléger le processus de conversion en partant du principe qu'il est israélien, ça veut dire qu'il a des ascendants juifs, hein, d'une manière ou d'une autre, voilà. Et donc, quelque part, il faut le faciliter son processus d'accession à la religion juive et d'entrée à la religion juive parce qu'il vit en plus dans un environnement juif. C'est ça, c'est qu'en fait, on pourrait les comparer, mais à tort en fait, à des soldats, je dirais, chrétiens ou à des soldats druzes, en disant est-ce qu'on va les obliger, des soldats druzes ou chrétiens, à se convertir ou à venir à Nassif ? Évidemment que non. Mais là, on parle justement, comme vous l'avez dit, de soldats qui vivent au sein de la société juive. Et du fait même de cet enracinement au sein de la société juive, eh ben, ils font partie entièrement, intégralement au peuple juif. Or, la conversion, on en avait déjà parlé plusieurs fois, la conversion, c'est également, avant tout, une entrée dans le collectif juif, avant d'entrer dans la religion juive. Oui. Et donc, quelque part, c'est vraiment légaliser un statut qui est déjà quasiment présent, mais qu'il faut en fait, simplement rendre légitime. Alors, la Cour suprême, on va dire, jusqu'à présent, essaye d'éviter de se mêler des affaires des tribunaux rabbiniques en matière de conversion, même si elle l'a déjà fait. La Cour suprême aurait son mot à dire dans cette affaire ? Bah, disons que je crois que la Cour suprême, en fait, ça avait été la Cour suprême en France ou aux États-Unis, elle a quelque chose à dire, évidemment. Mais je crois que le problème, c'est justement adopter un discours, non pas occidental, mais un discours qui est absolument laïque, oui. Pour en fait traiter une question authentiquement israélienne. C'est, ça. C'est vrai que toute personne qui entend que l'armée oblige ou en fait demande à des soldats de venir pour vérifier une conversion, on a l'impression vraiment de rêver, quoi, dans l'Iran. Mais dans le contexte israélien, c'est pas du tout le même ordre de choses, quoi. C'est pas la même façon de réfléchir. Donc je crois que la Cour suprême, en fait, là, se trompe en fait de langage et dans sa volonté de vouloir parler un langage absolument universel et qui est déconnecté absolument là du fait israélien, parce que je pense que la société israélienne dans toutes ses parties en fait, hein, même ses parties les plus traditionnalistes ou laïques, est bien consciente qu'il faut aider ces jeunes là parce que le jour où ils vont vouloir se marier, ils vont aller au rabbinat, on va les refuser. Le jour où ils vont avoir des enfants, ça va être un problème. Parce que c'est vraiment, en fait, puis je dirais même pour la société israélienne, c'est 300 000 personnes qui sont en Israël, qui ne sont pas juives, oui. et qui ne sont pas juives, non pas par manque de choix, je dirais, parce que l'histoire a fait qu'ils n'ont pas eu la possibilité de devenir juives. Or là, Nassif leur propose cette possibilité par le biais de l'armée, et très light, quoi, vraiment. Donc je pense que la Cour suprême, là, fait une grave erreur de se prononcer sur cette question. Eh bien, Rav Michael Ben Admon, merci beaucoup de nous avoir éclairé donc sur ce point important, donc concernant l'association native et la volonté ou non automatique de ces nombreux jeunes qui ne sont pas juifs selon la halakha, mais qui s'enrôlent dans l'armée israélienne, qui servent dans l'armée israélienne, y compris dans des unités d'élite. C'est un dossier important, un des problèmes de la société israélienne. Merci de nous en avoir parlé, de nous avoir éclairé là-dessus. Et Shavua Tov, bonne semaine. Allez. L'éditorial du matin, c'est une réflexion sur l'actualité brûlante, des développements importants, des sujets d'alia et d'intégration. C'est tous les matins sur Studio Qualita.